Notre témoignage de cette édition est celui du frère Franck Arnold Yapi, qui, autrefois brouteur, a été authentiquement délivré par le Seigneur Jésus-Christ. Pris dans les filets de cette pratique de vol et d'arnaque via Internet, Franck Arnold en a été délivré et transformé par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Écoutons son témoignage. J'aimerais dire merci au Seigneur de m'avoir sorti du broutage et de tous les autres péchés qui y sont associés. Gloire à Dieu. Mon père ne m'a pas reconnu en tant qu'enfant. Il n'y a eu que ma mère qui s'est battue pour que je grandisse, pour que je ne manque de rien. Il faut dire que, en grandissant, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où même ma maman m'envoyait demander de l'argent autour aux gens afin de pouvoir subvenir à nos besoins. Et face à toutes ces réalités-là, ça n'a pas vraiment été facile. Et lorsque j'ai grandi, j'ai toujours nourri cet esprit-là de vouloir lui venir en aide. Mais vu que les moyens n'étaient pas encore à ma portée, il a voulu passer par d'autres moyens. Et c'est comme ça le phénomène du broutage est apparu. Et vu que je côtoyais pas mal de personnes, mes amis étaient déjà dans le broutage. Et moi, je me suis lancé. Je participais aussi. Il m'arrivait même de voler l'argent de ma maman pour aller acheter des heures au cyber afin de pouvoir m'offrir des heures pour pouvoir discuter avec des clients. Mais cela n'a pas été facile. Après plusieurs tentatives, des années même, je peux dire un an après, j'ai commencé à recevoir de l'argent de la part d'un client. Après lui, j'ai attrapé encore pas mal de clients qui m'ont envoyé de l'argent. Et cet argent-là, lorsque je rentrais en possession de cet argent, j'oubliais immédiatement que je devais venir en aide à ma maman. Si sur 100 000, je pouvais donner, je dirais, 5 000 à ma maman. Tout ce qui me venait en tête, c'était comment aller dans les magasins m'offrir des vêtements, manger dans de grands restaurants, coucher avec des filles, aller dans les maquis, des boîtes de nuit, jeter l'argent sur les DJ pour montrer aux gens que nous ne sommes plus comme avant, pour montrer aux gens que nous ne sommes plus les mêmes personnes que nous étions hier. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à la chose. Et je faisais jusqu'à ce que j'ai une forte somme. Et nous avions acheté une voiture. Mais après, j'ai ressenti un manque parce que je n'avais rien pour pouvoir satisfaire les filles avec qui j'étais. Et mon nom baissait, l'ampleur de mon nom baissait de jour en jour. Donc j'ai voulu repartir encore. Et c'est comme ça, il y a un ami qui m'a dit, « Ah, actuellement, ce qu'on fait là, ce n'est pas facile. Il y a un féticheur ou il y a un marabout. » Je lui ai dit ouvertement, « Moi, depuis que j'ai commencé ce réseau-là, franchement dit, je peux dire que Dieu est avec moi. Que c'est grâce à Dieu même que j'arrive à prendre ce que je prends là. Que j'entends même dire qu'il y a des gens qui vont voir les marabouts. Mais ce que moi je prends là, je ne pense pas qu'ils arrivent à prendre ce que je prends là. Donc moi je vais continuer à croire en Dieu. Et il va toujours pouvoir ce que je trouve des clients pour pouvoir leur soutirer de l'argent. Et c'est comme ça que je continuais jusqu'à ce qu'un jour, un ami m'approche et il me dise que « Ah, est-ce que tu connais Jésus ?» Mais je n'avais pas écouté. Craintif d'une probable arrestation ou d'un quelconque malheur attaché au broutage, le tout renforcé par la perte de sa maman, il décide de suivre sa tante dans une église de la place après plusieurs résistances.
Maman est tombée malade. Étant au CHU, on a tout fait, mais elle n'est pas restée. Quand elle est décédée le 27 janvier 2019, quand elle est décédée, moi je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit que celle sur qui je pouvais compter n'est plus. Celle qui pouvait me défendre en cas de souci n'est plus. Donc, il faudrait que je me reprenne. Mais après l'enterrement, j'ai replongé encore. Et il arrivait même que ma tante vienne me dire, « Ah, je vais t'inviter dans mon église. J'espère que tu seras là. » Je lui dis oui. Et lorsque le dimanche arrive, je fuis pour ne pas qu'elle mette la main sur moi. Et un jour même, elle m'a invité, j'ai fui. Elle m'a croisé dans la rue, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, « Ah, mais j'ai été invité la dernière fois. » Tu m'as dit, « Ok. » Tu m'as dit, « Oui, tu allais venir, on allait partir. Pourquoi tu as fui ?» J'ai carrément menti. Je lui ai dit, « Ah, que j'avais un match à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que tu ne m'as pas vu. Mais je vais faire tout possible pour que tu me vois ce dimanche-là, pour qu'on aille ensemble. » Elle m'a dit, « Ok. » Mais je me suis encore caché. Et ça lui a fait tellement mal qu'elle a arrêté de me parler. Et cela m'a vraiment fatigué. De voir que une proche parente ne me parlait plus à cause de mes bêtises. Et je voyais fréquemment ma maman dans mes rêves, dans mes songes. Donc, un dimanche, je suis parti à l'église avec elle. Et c'est là que je suis parti à l'église avec elle. Mais j'étais à l'église, mais ma tête était dehors. Malgré les efforts pour ranger sa vie, cette expérience religieuse est sanctionnée par un échec du fait que Franck avait certes commencé à fréquenter une église, mais il n'avait pas reçu le message authentique de l'Évangile. Par conséquent, il n'avait pas reçu Jésus et donc il ne pouvait expérimenter la vraie conversion qui accompagne la foi chrétienne véritable. Il demeurait donc, malgré tous ses efforts, dans le péché, bien que allant à l'église. Je pensais, tout ce qui était dans ma tête, c'est comment finir le culte et revenir boire, toucher à l'alcool. Mais un jour, je suis allé avec elle à l'église et c'est là que j'ai ouvert mon cœur. Et lorsque j'ai ouvert mon cœur, la parole est vraiment rentrée. Et j'ai promis à ma sœur de ne plus jamais manquer un culte. Et c'est de là que tout est parti. J'ai même, après cela, j'ai commencé à laisser l'alcool au fur et à mesure. Je disais que, ah, je vais boire maintenant, mais je ne vais plus me saouler. Et chose bizarre, quand je buvais, j'avais la nausée. Quand je prends un verre, il y a le vertige. Et c'est comme si j'avais l'envie de vomir à chaque fois que je buvais. Donc c'est comme ça que j'ai dit à mes amis que moi, l'alcool ne me va plus à moi, que je vais arrêter. Et j'ai arrêté l'alcool. Quand j'ai arrêté l'alcool, je me suis moi-même donné des lois. Que moi qui avais beaucoup de copines, je vais maintenant rester avec une seule copine. Genre, je forniquais partout, mais maintenant, je vais forniquer seulement avec cette fille-là. Là, au moins, ça sera propre aux yeux de Dieu. Et je continuais. C'est dans cet état des lieux que le Seigneur lui fait grâce. Il fait la rencontre du frère Bosou Alain Béranger, qui est aujourd'hui son fils de disciple. Par cette rencontre, il reçoit le message authentique de l'Évangile. Il est conduit à la vraie repentance et au baptême. Et je continuais. Jusqu'à ce que je rencontre celui qui est mon fils de disciple aujourd'hui, le frère Bosou Alain, pendant le confinement. Nous étions tous fâchés parce que cette maladie était arrivée. Mais aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu parce que cette maladie a été
m'a été profitable. Chaque soir, parce que le couvre-feu commençait à 21h, chaque soir, on fermait le portail et nous, on s'asseyait dans la cour pour discuter. Il nous expliquait ses histoires et on restait, on débattait dessus. Chaque soir, c'est comme ça, on faisait. Jusqu'à ce qu'un jour, je dormais et il m'a appelé. Il m'a dit que Dieu m'a dit de te dire, de te baptiser, de faire ta repentance. Et je lui ai dit que je me suis déjà baptisé à l'église où je partais avec ma tante. Mais pour dire vrai, c'est vrai que j'étais déjà baptisé, mais il y a certains péchés qui me résistaient encore, comme les pensées immorales. Et je continuais même à forniquer alors que je prenais la Sainte Cène là-bas. Cela me pesait beaucoup. Parce que quand il arrivait l'heure de prendre la Sainte Cène, je me sentais coupable. Mais je n'avais pas la force de résister à la fornication, franchement dit. Jusqu'à ce qu'il me parle de la repentance. Et lorsque je faisais la repentance, il m'a montré la feuille. Il m'a dit, tu vois cette feuille-là? Si toi, un enfant, tu mets au monde ton enfant et on te montre tout ce que tu viens de citer là, qu'est-ce que tu vas penser de cet enfant? Et même quand j'énumérais les filles avec qui j'ai eu à forniquer, franchement, j'avais honte de moi. J'avais baissé ma tête même. Je lui racontais tout ce que je faisais. J'avais baissé la tête. Je pensais, j'étais découragé même. Je ne pensais pas que moi-même, tout ce que je faisais, j'avais connu toutes ces filles-là. Je me suis vraiment senti sale. Et après avoir fini la repentance, il m'a béni, on a prié. Et le dimanche, je me suis baptisé. Et c'est là que ma vie a changé. Ayant authentiquement reçu le Seigneur Jésus-Christ, Frank Arnold est aujourd'hui délivré et transformé. Il se réjouit de la délivrance du péché que le Seigneur lui a fait expérimenter. Surtout, il a retrouvé la satisfaction et la paix, chose que le broutage et la vie de débauche y afférent n'a pu lui donner. J'ai arrêté. Je peux dire, je ne vois plus ma mère en songe. Ces rêves-là se sont arrêtés complètement. Moi qui me masturbais autrefois, je ne me masturbe plus. Je ne fornique plus. Lorsque je passe même dans la rue, je n'ai aucune attirance pour la gente féminine. Et pour récapituler, étant dans le broutage, c'est vrai que j'avais l'argent, mais je n'avais pas l'esprit posé. Chaque matin, je voulais avoir l'argent. Parce que je ne sais pas comment expliquer. Moi, aujourd'hui, je me lève même quand j'ai 1000 francs, j'ai une joie qui m'anime, je ne sais même pas comment l'expliquer. Et les fins du mois, bien vrai que je ne travaille pas, mais les fins du mois, je ne ressens aucune pression. C'est comme si mon loyer avait déjà été payé d'avance. C'est-à-dire que la dernière fois, je disais à mon ami même que j'ai laissé beaucoup de péchés même. Cela ne m'a fait aucune violence. C'est-à-dire que le Seigneur a travaillé en moi, mais je ne sens aucune violence. Ce n'est pas comme si je suis tombé en transe et puis je me suis levé pour dire que « Ah, je ne fais plus ça. » Hein. Du jour au lendemain, des choses se sont détachées de moi. Donc, j'aimerais dire merci au Seigneur qui m'a transformé, qui a fait de moi, je peux dire aujourd'hui, un instrument pour la gloire de son nom. Et je peux dire même que faut être en Christ pour comprendre la joie que tu as lorsque tu vas parler de lui à un frère. Au fait, je peux dire que la mort de ma maman a été un gain pour moi. Parce que si elle avait été encore là, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui en train de parler de Dieu. Il a voulu m'enlever celle à qui je m'attachais beaucoup, le plus, pour pouvoir regarder seulement qu'à lui. Je lui rends toute la gloire. Amen. Prenant de plus en plus de l'ampleur au sein de la jeunesse, le broutage conduit plusieurs personnes de cette génération dans le lac de feu,
à travers ce témoignage de délivrance authentique du frère Frank Arnold, il est évident que Jésus est vivant pour encore sauver et délivrer tous les esclaves du broutage et leur donner le vrai bonheur et la vraie richesse qui se trouvent dans cette sainte voie.